Ligne 13 en plein Euro 2016. Neuvième. Zéro neuf G. Mesdames, messieurs, le trafic est ralenti sur la ligne 13 dans les deux sens. Suite à des difficultés techniques, je répète, le trafic est ralenti sur la ligne 13 dans les deux sens. Suite à des difficultés techniques. Oh, très bien. Ah, les portes automatiques. Merde, bloqué. Le 71 bloqué. Thank you.
Ah ben. Ouch. Putain, ça m'en fait mal. Il a calé. Oh. Et on part au ralenti. Il y a écrit défaut technique sur le orange là. D'habitude, c'est rien écrit. La 28 qui passe, la 28. On croise la 73. Ça met du temps. Ça se dirige au stade.
ça joue au stade en fait, c'est normal. Ça joue au Stade de France ce soir. Ah bah ouais. Le 31-0-07 rempli plein de supporters ukrainiens. Ah non, c'est pas les Ukrainiens, c'est les Belges. Ah, c'est les Belges qui sont là en fait. En fait, il y a des petits incidents techniques. Le 9e, le retour. Allez, le 9e qui part. Attention, c'est raté. Aujourd'hui, là, normalement, ça joue ce soir au Stade de France. Ouais, bah ça déjà, je t'ai déjà bloqué alors. Bah, déjà, avec les incidents techniques, c'est normal que ça c'est provoqué par les supporters. Ouais, mais je sais même pas quel match, quel cercle qui joue. Belgique. Ah non, ouais, il y a la Suède d'abord. Parce qu'il y a deux matchs. Ouais, il y a deux matchs. C'est quoi ici? J'ai vu. Là, c'est les Suédois. Ah, Suède. Il y a Zlatan Ibrahimovic. Ah, bah d'accord. Hein. Non, c'est bon, c'est le temps. Ah, bah d'accord. Non, le temps qu'ils se mettent en route. On n'est pas sortis de l'auberge. Merci, on est d'accord. On est deux à l'avoir y pensé. Hein. Ouais, regardez. Il y a tout le monde qui a ce soir. Qui va se débloquer en partie. C'est ça la pagaille. Regardez. Tout la pagaille, tout le monde se dirige au stade. Wouhou! Thank you.
parti. Petit à petit, ça commence à se calmer.
Bon, bah, la plus grosse bonus que j'ai connue de ma vie, voir des supporters de plus près pour le direct du Stade de France qui aura lieu dans pas longtemps. Il s'agit de Irlande-Suède qui aura lieu à 18h pile au Stade de France. Regardez tout ce monde. La fête est au rendez-vous. J'aurais pas le choix, je dois continuer à pied vu qu'il n'y a pas du tout de bus à Saint-Denis-Port de Paris. Tout a été arrêté. Donc concernant le 153, 253, 239, tout a été limité. Par exemple, pour rejoindre le 153, vous devez y aller à ce moment-là. Si au cas où il y a un match au Stade de France, vous devez rejoindre Avenue Saint-Rémy pour rejoindre direct jusqu'à la plaine Stade de France, il me semble bien, si je dis pas de bêtises. Non, il va pas aller jusqu'à la plaine Stade de France. Je pense que c'est un direct porte de la chapelle. 253, vous devez rejoindre Avenue Saint-Rémy pour aller à la suite à la Courneuve-Aubervilliers RER. Et 239, vous devez rejoindre directement la plaine Stade de France. Donc je répète, vous devez rejoindre directement la plaine Stade de France pour rejoindre Rosa Parks. Merci. Pour le 356, vous devez rejoindre Sainte Université pour aller en direction de Deuil-la-Barre, marché des Mortes-Fontaines. Ensuite en direction, sinon pour Saint-Denis-Zaclandinor, ce n'est pas desservi pour cause de match. Si je dis pas de bêtises, pour le 255, en direction de Saint-les-Prévoyants, vous devez aller à Saint-Université pour rejoindre Saint-les-Prévoyants. Pour Porte de Clignancourt, vous devez rejoindre... Vous devez forcément rejoindre Cornillon Sud, quelque chose comme ça. Cornillon Sud, n'importe quoi. Vous devez rejoindre Carrefour Pleyel. Et puis c'est tout, voilà les causes du match, tous les bus qui sont pas desservis à Port de Paris, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, pour cause d'Euro 2016, voilà. Regardez, tous les supporters irlandais et suédois qui sont là, et je n'ai qu'une chose à dire, je répète, je n'ai qu'une chose à dire, allez Zlatan! Parce que au moins Zlatan lui franchement il va tout donner au Stade de France. Bonne chance à lui.